Hello, la famille. Ça va? Ça va et toi? Ouais, moi ça va. Tu vas bien? Eux, tu penses qu'ils vont bien? J'espère que vous allez bien. Franchement, j'espère vraiment que vous allez bien. Nous, en tout cas, ça va. Dieu merci. Dieu merci. On est à la maison. On s'est auto-confiné. Ouais, on s'est auto-confiné. On a dit, nous, on reste à la maison, on s'enferme. Même si dehors, les gens ne sont pas confinés, nous, on se confine. Donc voilà. En tout cas, on espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, etc. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant tout, si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'inscrire. Parce que bon, on est confiné, mais on peut rire. Donc on va essayer de faire des vidéos pour vous. Tu rimes et tout. T'as vu ça ou quoi? C'est un artiste. Tu vois. Donc, mon sucre est un artiste. Mon beignet est un beignet. En tout cas, ouais, c'est si ça. Si t'es nouveau, abonne-toi. Parce qu'on va essayer de faire des. Bah, toujours continuer à faire des vidéos pour vous divertir. Donc, si tu t'ennuies à la maison et que tu as rigolé, partage-la à un ami à toi qui peut s'ennuyer cette vidéo. Et si tu ne nous suis pas sur Instagram, on fait beaucoup de live en ce moment, vu qu'on est confiné. La vérité. Donc, si tu veux rigoler aussi, viens nous suivre sur Insta. Faut nous follow. Karel VV. Karel VV. Aide 5L. On l'a bien fait pour une fois. Ça se trompe, on l'a bien fait pour une fois. Ça se trompe. Karel VV. Bravo. Je suis fier de toi. La famille, voilà. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'histoire à vous raconter. Vous allez vous moquer de nous aujourd'hui. On va pas raconter de gourmands, on va pas raconter d'histoires, des trucs qui nous sont arrivés du tout. Aujourd'hui, on a décidé de faire un genre de jeu. Ouais, on va tester en fait, un jeu de société. C'est même pas comme si on a décidé, c'est Olivier qui a décidé. Il a dit, en fait, il a vu un jeu, il a dit, mais il faut qu'on fasse ce truc. J'ai dit, Olivier, est-ce que tu es sûr que tu veux qu'on mette un truc dans nos bouches? Mais dévoile pas tout. Non mais si, parce que je sais au moins qu'on met un truc dans notre bouche, mais... Voilà. En tout cas, vous allez rigoler. En tout cas, là en ce moment, on est tous confinés, donc faire des jeux de société, des trucs comme ça, c'est le moment. C'est le moment. Donc on va tester un jeu. Vous êtes prêts? C'est parti, let's go. Donc alors, le jeu qu'on va tester s'appelle Mashmo. Ce n'est pas un placement de produit. Attends, on voit pas. Le jeu qu'on va tester s'appelle Mashmo. Hein, voilà le jeu qu'on va tester aujourd'hui. Effectivement, c'est absolument pas un placement de produit. C'est pas un placement de produit, on l'a acheté nous-mêmes, on le fait voilà. Nous-mêmes. Donc voilà, les gens de Mashmo, si vous nous voyez, pensez à nous, envoyez un petit chèque, ça fait du bien. Surtout que, concrètement, c'est pas comme si on connaissait ce jeu. Moi, je le connais pas, je n'ai jamais joué. En fait, tu as vu ça où? J'ai vu ça sur une chaîne YouTube et je me suis dit, mais c'est tellement ridicule qu'il faut qu'on le fasse. Donc voilà. Bon, le ridicule ne tue pas. Donc en fait, le jeu, en gros... Attends, je peux dire une blague pas drôle? Vas-y. Attention, roulement de tambour. Les amis, le ridicule ne tue pas. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Le ridicule rend plus fort. Vous avez une heure. De toute façon, vous êtes à la maison. Voilà, la personne qui aura la meilleure réponse à ça, on l'invite dans une vidéo voilà, YouTube. On vous invite, à la maison. La meilleure réponse la à meilleure ça réponse. En commentaire, on l'invite dans notre vidéo. Même si tu es en France, quand on viendra en France, Inch'Allah, on t'invitera dans une vidéo YouTube. Allez, on attend vos rédactions. Donc oui. Donc le jeu Mashmo, c'est un jeu où on doit se mettre un truc dans la bouche qui nous empêche en gros d'articuler. Et c'est... Un truc dans la bouche. Oui, vas-y. Et en gros, c'est un jeu enfant contre parent, c'est à partir en fait, de 8 ça, ans. Enfant contre parent, nous on va faire mari contre femme. Ouais. Et franchement, je sais absolument pas ce que ça va donner, je ne sais. Franchement, j'ai jamais joué à ce jeu. Moi, j'avais pas vu la vidéo YouTube qu'Olivier a vue. Bon, en fait, vu qu'on est que deux, je pense que ça se joue à partir de 4 joueurs. On est que deux, donc nous, on va faire notre propre version du jeu. Ouais, franchement. Non, on va répondre aux questions parce qu'en fait, il y a des cartes. Alors, ça, si vous voyez, c'est ça qu'on doit se mettre dans la bouche. Bon, ouvrir la bouche. J'espère qu'ils ont des tailles africaines. Hein, parce que bon. Mais il est seul, lui. Nos bouches, mais c'est celui que j'ai testé. Oui, vu que le mien, il était cassé. Ouais, et toi, t'as cassé, tiens. Oui, j'ai essayé, bon, j'ai cassé la chose. Vu que j'espère que ça a adapté à nos bouches, à nous, parce que bon, on a des grandes bouches, quoi. Voilà, quoi. Donc il y a plusieurs tailles. Je pense qu'il y a des tailles enfants. Ouais, voilà, ça, c'est des tailles enfants. Ah, et ça, c'est des tailles adultes. D'accord. Tu vois. Il y avait deux tailles. Ouais, il y a deux tailles. Et après, c'est ça. Heureusement, en fait, c'est pas trompé. Donc, il y a un sablier. Et il y a des cartes. Et il faut lire, en fait. Les phrases qui sont sur les cartes et que la personne essaye de deviner le plus de phrases. En fait, normalement, ça doit être par équipe. C'est ça, ça doit être par équipe. Ah. Mais on va le faire tous les deux. On va le faire tous les deux. Maintenant, je sais pas c'est quoi. Alors, bon, moi, je vais vous dire un truc. Les cartes bleues, les qui sont pour enfants ou les cartes rouges sont pour enfants? Viens, on fait les cartes pour enfants déjà, pour commencer. Il y a les règles, il y a toujours les règles du jeu, c'est important. En fait, quand on a reçu la boîte, on l'a ouverte, on a essayé et tout. Et moi, j'avais essayé de le mettre, je l'ai mis. Mais j'ai bavé. Oh hell no. Mais arrêtez pas de baver. Si elle bave dans la vidéo, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas.
En fait, la bouche, elle reste ouverte. Attends, comment on fait déjà pour le mettre? Bon, attends. On va le mettre tous les deux en même temps, comme ça on aura l'air ridicule. Mais non, parce que si on doit lire les règles, comment on va parler? Non, mais là, pas là. C'est juste pour montrer aux gens à quoi on va ressembler. T'es prête? Non. Comment on fait déjà? Alors, tu dois mettre le côté là. Ah, ça va être les deux côtés. Look at this. Somebody come look at this. Attention! Attends, tu fais. Surprise! Voilà, attends, j'ai l'impression que ça n'arrête pas trop de parler. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que. Attends, ça te fait mal? Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Moi, je comprends ce que tu dis. Ah, mais si je comprends. Ah, tu sais quand même ce que tu dis? C'est horrible! D'accord, c'est voilà. Ok, donc en fait, voilà le principe du truc. Le principe, c'est de parler avec la pareille là de la gauche. Ah non, je sens que je suis en train de l'être gauche. Tu es en train de baver. Voilà, tu vas baver dans la vidéo. Ah, mais bon, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Il faut que je prenne une serviette. Ouais, faut que je prenne un bavoir. Pourquoi tu baves pas? Je contrôle mieux ma bouche. Merde. C'est ça que tu dis aujourd'hui, ça te dérange pas quand je bave? Oh, tu peux m'ouvrir les cartes, s'il te plaît. Ok, no comment. Ok, bon, merci Karen pour ce moment. Qui commence, toi ou moi? Qui met le truc dans la bouche et qui commence? On n'a pas ensemble. Non, c'est toi, tu dois regarder les cartes et tu dois deviner ce que. C'est moi, je regarde ma carte, tu dois faire deviner ce que je lis. Donc, tu dois avec ça dans la bouche. Moi, j'ai ça dans la bouche, je lis la carte. Ok, et moi, je dois deviner ce que je dis. Ce que tu dis. Donc, on fait Shifumi pour savoir qui commence avec le truc dans la bouche. Shifumi. Mi. Yo, wait. Ding, ding, ding. Donc c'est toi qui commence avec le truc. Bah non, c'est moi. C'est toi qui commence, j'ai gagné. Okay. C'est toi qui bave en premier. Prends la serviette là-bas. Vas-y, prends la serviette là-bas, c'est mieux. Alors, tu veux commencer avec. Tu veux faire jouer les trucs. Notamment les trucs pour les enfants, s'il te plaît. Mais je sais pas en fait c'est qui est pour les enfants et qui est pour donc, les adultes. Ouvre un truc, on va gérer. On va prendre les rouges. Les rouges, ça doit... généralement quand c'est rouge, c'est plus compliqué. Donc. Rouge, c'est pour les adultes. Ouais, on va prendre les rouges. Alors. Oh, hell no! Quoi? Attends, t'es chaud. Donc je mets ça dans la bouche. Et moi, ouais. Si je le mets maintenant, je vais déjà commencer à baver. Bah attends, t'inquiète. Le temps que je joue ça, commence pas à baver tout de suite. Donc là, tu vas être ridicule. Oh non, j'ai peur. Mais donc attends, mais c'est moi qui dois lire la carte là. C'est ça, tu dois lire la carte. Mais là, tu vois déjà les cartes. Mais non, c'est bon, tu les connais pas. Je les connais pas du tout. En fait, tu les connais. Je les connais pas, j'ouvre le truc. Bref. Donc tiens, mélange-les si tu veux. Donc je les mélange. Ok, il y a les trucs des deux côtés. Et maintenant, je vais te faire découvrir le nombre. Bon, on va pas prendre le sablier. Hein, on ouais, va non, faire... parce que. En fait, on est que deux. Voilà. Et puis, on n'a pas d'équipe. C'est moi contre moi. Tu fais 5 cartes. Je fais 5 cartes. On va voir ce que. En fait, c'est pour qu'on voit le nombre. Non, si c'est mieux le sablier, c'est pour savoir combien de temps on met par. Ok. À mon avis, c'est un sablier d'une minute. Tout simple. Le sablier est prêt. Nous allons voir dans le temps écoulé. Dans le temps imparti. C'est-à-dire dans le temps écoulé. C'est pas très français. Dans le temps imparti, combien de cartes Karel peut me faire deviner. Donc, installation du matériel. Ah ouais, tu galères. Voilà. Ne me casse pas. Voilà, t'es toute sexy. Alors, vous avez la tête? Vas-y. Donc moi, je regarde pas les cartes. Je regarde tout droit et j'ai le sablier. Ok. T'es prête? C'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Peux-tu parler un peu plus fort? Peux-tu parler un peu plus fort? Oh. Le charbon est toujours à 120. What? Le quoi? Le charbon. Le chaton? Le charbon. Le quoi? Bah, c'est pas grave. Le quoi? Le charbon. Vas-y, tu parles chinois, le frère. Next. Vas-y. Ah! Bien faire et laisser graire. Bien faire et laisser faire. Laisser graire. Laisser graire. Rire. T'as dit pas la word. Laisser. Bien faire et laisser. J'arrive pas à dire la lettre. Mais c'est fait exprès. Bien fait et laisser. Ok, la première lettre que tu as dit c'est. B. Ok, c'est fini. Ah ouais, c'est fini. Chaud. Ouais, tu peux enlever. Ah, je suis en train de baver ma vie. Ah. Eh, c'est chaud, hein. Non, mais c'était quoi la carte que j'ai pas comprise? Bien faire et laisser brer. Oh, putain.
Déjà, je sais même pas ce que ça veut dire. Chaud. Je sais même pas ce que ça veut dire. Et l'autre, c'était quoi? Et l'autre? Chaton, là. C'était pas un chaton, c'était un chapon. Le chapon, le chapon est au four à 120. Le chapon est au four à 100. Mais il a reconnu le premier. Peux-tu parler un peu plus fort? En fait, quand t'as dit le premier, je me suis dit, oh, mais vas-y, ce jeu est facile, j'ai direct compris. Mais quand t'as dit le deuxième. Le chapon. Bon, tiens, sablier. Donc, celui-là, les trois là, je les enlève. Vas-y. Donc, du coup, il y a deux ratés et un réussi. T'as réussi un. Je mélange pour pas voir les cartes. Donc, tu mets ton truc dans la bouche. Oui, 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 t'inquiète. Je vais le mettre. C'est horrible. Ah, ouais, non, c'est horrible. J'ai rien compris à ce que t'as dit. Attention, mise en place. Mais alors, attends, du coup. En fait, c'est à moi d'en deviner le maximum, mais toi aussi, il faut que tu dises des trucs bien. Parce que, en fait, comme... C'est ça. Moi, ouais, je dois dire des choses. Qu'est-ce que t'es moche. Moi, je dois lire la carte et toi, tu dois comprendre. Ok. T'es prête? Ok. Mais qu'est-ce que c'est? T'es Google. Ok, à 3, 2, 1, c'est parti. Aloha est une petite fille modèle. Aloha? Non. Gagnoa? Ah, Gagnoa! Je me casse là. Aloha? Paloma? Est une petite fille. Est une petite fille. Modèle. Modèle. Et... Paloma, Paloma, tu regardes cette... peut-être tu regardes cette vidéo, tu es une petite fille modèle. Ok, c'est parti. Oh, ouf. Hein? Oh, il y a la planète Mars. Alors, la planète Mars. Oui, la planète Mars. Ton rat ouf. Ton. Ton. Mon. Ton. 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 Mon. Ton. Attends. Ah, attends. Je n'ai rien compris à ce qu'ils ont dit. Ton. Mammouth. Rat ouf. Rarouf. Ton rarouf. Rarouf. Ton. Ton rarouf. Marouf. Marouf. Ton rarouf. C'est parce que c'est fini, pardon. Attends, je suis en train de pleurer. La phrase c'était, vous voyez pas, non, non vous voyez pas. Alors la phrase c'était ton barouf. Ah tu parles. Ton barouf monte vers la planète Mars. Putain c'est quoi un barouf? Ah là je sais pas c'est quoi un barouf. Vous voyez ma tête? Vous voyez ma tête? Mais c'est impossible, on va jamais réussir. Chaud. On essaie encore deux autres quoi? Bon on fait deux autres. Parce que à mon tour, peut-être, peut-être vous aussi vous rigolez. On va pas vous faire toutes les cartes. Ah non c'est chaud, on va jamais s'en sortir surtout. Vas-y donne-moi ça. Oh mon dieu j'arrive à respirer. Mélange après. Donc voilà, ce jeu peut être très marrant, j'avoue, quand vous êtes en groupe. Ah non, j'avoue, en groupe, entre amis. Entre amis, ça peut être très marrant, mais... Bon, apparemment, les trucs là se lavent à la machine à laver ou un truc comme ça. Ou non, mais même avec du savon. Ça se lave, mais j'avoue que, bon, en ces périodes de, actuellement... Effectivement. On va éviter de se partager ça dans la bouche. Vous mettez tranquillement votre nom dessus. Vous invitez pas d'amis. T'es prête? À l'installation. Ça, c'est le meilleur moment, l'installation. Ah là, docteur! C'est ça que les dentistes ils mettent quand tu vas chez eux, c'est ça? Ok. Ok. Tu t'as mélangé les cartes? Oh là là, putain. T'as mélangé? Oui, j'ai mélangé. 3, 2, 1, c'est parti! Cas de feu sur la pizza. Hein? Sur la pizza, j'ai compris sur la pizza. Ok, sur la pizza. Ensuite, pour la fête. Ah? Ok, non, après, juste. Cas de feu. Pas de pain? Ok, le premier c'est long. Pas. Deux. Kong. Pas de Kong. Pas de. Pas de. Ok, là c'est là, t'arrives. Vas-y, vas-y, passe. Ah, merde. Ton slip, hein. Ton slip. Aïe! Ton slip! Aïe! Ton slip bail! Remonte-le! Ton slip bail! Au moins, j'ai trouvé! Ah là là, j'ai grave! Je suis en train de. Ah, tu bats! On va garder ce petit jouet! Mon dieu, c'est pas de pomme sur la pizza! Pas de pommes sur la pizza. Pas de pommes sur la pizza. Non, mais on peut pas dire P. En fait, ils sont malins parce qu'ils mettent les P, les B. On peut pas dire P. Ah ouais, on peut pas dire P. Tu pleures, t'es mort. Non, j'en peux plus. Non, mais toi, c'est-à-dire que ton truc que t'as dit tout à l'heure,
C'était magnifiquement drôle. Allez, c'est-à-dire que là je l'ai fait en one shot. Je vais essayer de faire beaucoup de cartes en one shot. C'est-à-dire que si tu comprends pas dès le début, je passe à la suivante. Ok. Attention, moment d'installation. Perfect. Mais toi, ta bouche, elle est plus grande. T'inquiète. Comment tu veux essayer d'être gangster avec ça dans la bouche? T'inquiète. C'est horrible comment ça écarte la bouche. Ah là là. Tu veux faire un bisou? Viens, on fait un live comme ça tout à l'heure. Bon, d'ailleurs, on fait beaucoup de lives sur Instagram. Ouais, si vous voulez nous rejoindre sur Instagram, si tu comprends ce que je dis, tu veux nous rejoindre. Mais toi, ça, on le met de la même manière? Oui, on le met de la même manière. C'est juste qu'il y a des lettres qui sont faciles à dire. Il y a des lettres qui sont pas du tout faciles à dire. Ok, bon, vas-y. Attention. 3, 2, 1, go. C'est parti. C'est parti. Prends ta harpe de fièvre. Prends ta harpe de fièvre. Prends. Prends ta barre de fer. Non, ta. Ta, prends ta. Ha, ta ha. Ta part. De. Prends ta part de. Fièvre. De fièvre. 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 Voilà. Oh putain. Prends ta part de fièvre. Faire la fête jusqu'au matin. Ok, faire la fête jusqu'au matin. On décrit ça. Éteins ton bidule portable en montant. Éteins ton bidule de portable. Non. Ton bidule portable en même temps. En montant. En montant. Voilà. Oh, putain, tu gères, hein. Paloma. Paloma. Tu mens. Tu mens. Probablement. Probablement. Voilà. Mais attends, tu gères, hein. Un bœuf. N'est pas un fauve. N'est pas un chauve. N'est pas un fauve. N'est pas un. Un fauve. Un chauve. Un fauve. Un fauve. Un bœuf n'est pas un fauve. Parle-le. Charge-le. Parle-le. Parle-le. Charge-le. C'est fini. Ça marche pas, c'est fini. Mais attends, un bœuf. Un bœuf n'est pas un fauve. Parbleu. Belle négue. Donc voilà. Charge-le. Non, franchement, c'est un jeu qui peut être. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'était ouf. Ouais. En tout cas, c'est pas un jeu que tu fais avec ton date la première fois. Si tu dates une go et puis tu l'invites à la maison, tu dis viens, on va jouer à Majo. Justement, tu vois ses habiletés. Ah, mais oui, tu peux voir. Buccal. Oui, buccal. Tu peux voir si elle salive beaucoup. Si elle bave. Oh. Non, Kael. Oui. Mais c'est toi qui as parlé de date, c'est pas moi. Mais imagine, tu fais ton premier rendez-vous, tu dis à la fille. Ah, ça dure, j'en vois trop. On fait un jeu de société, tu dois mettre un truc dans ta bouche. Elle va dire, t'es un gars chelou, esprit criminel. Mais en tout cas, ouais, non, je me dis que c'est un jeu qui peut être marrant. Grave. Bon, peut-être pas ces temps-ci, comme on vous a dit, hein, parce qu'il faut partager la bouche, tout ça. Bref, je pense qu'on va y aller. On va le jouer avec des amis. Ça peut être marrant avec des amis. Tu mets des petits trucs de shooter après, tu vois, ça peut être fou. Imagine, c'est ça, pour ceux qui boivent, ouais. Ceux qui boivent, quand t'es foncé, tu joues à ça, mais alors non. Mais en fait, non, déjà quand t'as bu et que t'es pas bien, ta prononciation avec la bouche normale, c'est un peu compliqué. Et puis, ça coûtait pas cher, hein. Je pense qu'on l'a acheté 10 euros. Un peu plus. Ouais, mais pas beaucoup, en tout cas, il coûtait moins de 15 euros. Il coûtait moins de 15. Moi, je me dis, ouais, ça peut être un truc que tu testes avec des amis. Je pense que nous, on va rejouer. Et voilà, je vous jure. Si on joue avec des amis, on fera des stories. Voilà, et on fera des stories pour que vous voyez ça sur Instagram. C'était hyper drôle. Ouais. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait rire, ça vous a donné envie d'essayer Mashmo. Grave. Nous, on va réessayer. Et comme je dis, on fera des stories. Si t'es nouveau sur la chaîne, abonne-toi. Subscribe. Active. Si t'es dessus pas sur Instagram, follow-nous. Je suis KarelBBC avec 5N1. Et puis, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour une nouvelle vidéo. Ciao, la famille.